The thing is, it cannot be left unattended for the whole time. You have to be there and sometimes watch it. Donc, on crée des liens entre les politologues, on a un certain nombre de publications scientifiques, on organise un congrès international de 3 ans, un certain nombre de symposiums. Donc, on a des membres un peu partout à travers le monde, qui sont assez bien répartis là, dans les continents, autant en Asie qu'en Europe, qu'en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, un petit peu moins en Afrique. On a un secrétariat qui est basé à Montréal, à l'Université Concordia. On a 3 permanents, un petit peu plus en année de congrès. C'est une petite équipe. Donc moi, je suis à l'ISP depuis janvier 2006. Donc, mes tâches, c'est notamment graphisme, administration réseau, développement web. On est tous un petit peu assez polyvalents, comme on est une petite équipe. Donc, l'année dernière, j'ai surtout fait du graphisme dans la préparation de notre congrès international qui a eu lieu au Japon. Donc moi, je travaille avec les logiciels libres et Linux depuis environ 2003. J'ai une expérience en graphisme, donc je connais bien Quark Express. Autant sous Windows, Mac OS X, OS 9 même, j'ai déjà travaillé aussi avec Photoshop, puis Illustrator, les autres outils là, non libres. Je n'ai pas d'implication directe dans aucun des projets en graphisme libre, ce qui est intéressant à mentionner, c'est-à-dire que ce n'est pas la connaissance des gens qui sont impliqués dans ces projets-là qui m'ont amené à utiliser ces outils-là. Donc, un petit peu le plan de ma présentation. Donc, pourquoi le logiciel libre, les outils que j'ai choisis pour accomplir mes mandats, les projets que j'ai réalisés. Puis, tout ce que j'aurais aimé savoir, finalement, il y a un an, quand j'ai commencé. Donc, l'expérience que j'ai acquise, puis mes réflexions au sujet du logiciel libre en graphisme. Donc, pourquoi le logiciel libre? Je commence par le contexte dans lequel j'étais, c'est-à-dire que c'était prévu que j'ai une charge de travail assez élevée, notamment à cause de l'organisation du congrès international. Donc, on avait tout le matériel graphique à produire pour le congrès du Japon. Puis, j'avais une volonté, moi, personnellement, de faire mieux que ce qui se faisait avant, là, dans la boîte, là, qui était un petit peu morceau par morceau, donné à contrat à droite et à gauche, donc pas d'unité graphique dans les différentes choses qui étaient faites. Également, j'avais beaucoup de liberté, c'est-à-dire que dès le début, j'avais le choix des outils et de l'équipement. Donc, si j'avais voulu la suite Adobe avec un Mac à 3 000 $ puis 5 000 $ de logiciel, je les aurais eu. Que je considère que ça faisait partie de ma liberté, il n'y avait pas de projet démarré, donc je pouvais partir de ça un petit peu comme je voulais, là, à partir de zéro, notamment toute la documentation du congrès. Donc j'avais 3 types de motivation pour y aller en libre. Donc, garder le même environnement, je l'ai dit, je travaillais déjà en Linux, donc je voulais continuer là-dedans. J'aime bien la stabilité de Linux, la fiabilité de l'outil. J'ai jamais eu confiance autant à mon ordinateur que depuis que je suis en Linux, donc je voulais garder ça. Puis je voulais une solution native, c'est-à-dire que je ne voulais pas utiliser Illustrator dans un VMware dans Linux, je voulais vraiment quelque chose qui est ouvert en Linux. Efficacité aussi, je l'ai mentionné tantôt, le coût des logiciels libres en fait est nul. La fiabilité des logiciels, mon expérience à ce moment-là, c'est qu'elle était plus grande que les solutions propriétaires. Motivation philosophique aussi, que je n'ai pas besoin d'expliquer, là, le logiciel libre a une philosophie différente, un mode de fonctionnement différent que j'ai toujours apprécié. Donc, j'avais aussi des inquiétudes au départ parce que je n'avais jamais utilisé de manière intense des outils libres pour faire du graphisme. Donc, je n'avais pas beaucoup d'exemples sur lesquels, en fait, à suivre. C'est-à-dire que, oui, il y a toutes sortes d'exemples de trucs qui se font en libre, mais je ne trouvais pas d'exemple de graphiste qui aurait décidé de tout faire en libre. Ce qui était un petit peu mon inquiétude au départ parce que c'est ce que je voulais faire, tout faire en libre. Donc, pas revenir à Windows ou à Illustrator pour faire certains projets. Évidemment, au départ, sans avoir travaillé de manière intense avec Game Scribus, Inkscape, je ne savais pas d'avance si toutes les fonctionnalités dont j'allais avoir besoin allaient être là. Également, une préoccupation importante, c'était de dealer avec mes fournisseurs et avec mes collègues. Je ne voulais pas que ça me pose de problème le fait de fonctionner avec des outils différents. J'avais la courbe d'apprentissage aussi du nouveau logiciel. Donc finalement, je me suis dit maintenant ou jamais, c'est-à-dire que j'étais dans un contexte plutôt favorable pour décider de changer d'outil, donc je me suis lancé. Donc les outils que j'ai choisis, en fait, c'est pas compliqué. Il y a plusieurs alternatives en Linux là, pour les logiciels graphiques, mais les plus matures sont celles là, dont il est question en fin de semaine, c'est-à-dire GIMP pour l'édition des bitmaps, Inkscape pour le vectoriel, Scribus pour la mise en page.
Et j'ajoute à ça Open Office, dont je me sers énormément, notamment pour toute l'édition des textes avant de les donner à Scribus. Donc, ces logiciels-là, moi, je fonctionne à Linux sur quelqu'un qui aurait été en Windows ou Mac OS X de toutes ces versions-là disponibles. Projet réalisé. En fait, c'est tous les exemples que j'aurais aimé avoir au départ que j'avais pas. Donc, j'ai fait au-delà de 50 projets graphiques dans le cadre de mon travail depuis un an. Je ne vous montre pas les 50, là, j'en ai retenu une vingtaine que je vais vous montrer rapidement. On a tout fait en Linux et en logiciel libre. Il n'y a rien qui est sorti de l'ISP en termes de produits graphiques qui n'a pas été fait en logiciel libre. Donc, très varié, ça varie beaucoup en complexité, en durée, en budget. Donc, ça allait de la simple petite épinglette à notre vue qui paraît 2-3 fois par an. Donc, je les passe rapidement pour vous donner une idée là, de tout ce qu'on a fait en libre. On a commencé par une refonte du logo qui était plus ou moins simple, accrocheur visuellement. Je vous indique toujours l'outil avec lequel j'ai réalisé pour vous donner une idée là, de ce qui est possible de faire, puis des choix que j'ai décidé de faire. Il y a des choses qui auraient pu être faites en Xcript comme en Scribus. Donc, des fois, j'ai fait des choix d'utiliser un plutôt que l'autre. Donc, on a fait toute la papeterie. En fait, on a fondu l'image graphique de notre association. C'est, en fait, habituellement, le graphisme est relativement strict parce que c'est ce qui m'était demandé. Par contre, c'est clair que si je veux faire un trip de graphiste, les outils sont là. Donc, formulaire d'adhésion, la carte de membre qui ont été refaits. On fait régulièrement des publicités dans des publications scientifiques. Bon, moi, je pense à certains items qui sont reliés à des événements dans la vie de l'organisme. Donc, le 13 mars, on a inauguré officiellement le secrétariat à Montréal. Donc, il y a eu des invitations qui ont été faites, des affiches pour une conférence de Robert Kevin, qui est assez connu en sciences politiques au niveau mondial, des clients. Donc, publicité dans les journaux, des projets aux dimensions plus grandes. Par exemple, j'ai produit un fond de scène en Inkscape, là, qui les panneaux ont à peu près 3-4 pieds de large par une dizaine de haut. Panneau de présentation, notre organisme. Tout le matériel qui a été produit pour le congrès au Japon. Donc, quand je dis tout le matériel, c'est tout le matériel, les cocardes, les lanières, ce qui est imprimé sur les CD, tout a été fait en libre. Ce qui est intéressant, c'est que ça a été également, une bonne partie de ça a été imprimée en Asie. Donc, puis en fait, il n'y a jamais personne qui a eu un problème avec les fichiers que j'ai envoyés ou quoi que ce soit. Donc, différents documents. Le rapport triennal, d'ailleurs, le rapport triennal, certains documents, j'en ai des copies de papier, là, ce qui sort, c'est peut-être plus facile de voir là, que l'écran qui sort un petit peu foncé. Le rapport triennal, comme la revue Participation que je vais vous montrer, ça impliquait des refondes graphiques assez importantes. C'est-à-dire que c'était des documents qui étaient moins graphiques avant et qui ont une allure plus vivante maintenant. Donc, le programme du congrès, c'est un des documents plus denses en texte que j'ai choisi de faire, en partie avec Scribus, en partie avec OpenOffice. OpenOffice permettant une édition de texte long plus facile. Donc, j'avais carrément là, mon template identique en Scribus et en OpenOffice pour ce qui est des numéros de page, des entêtes, des bas de page. Et puis, j'avais certains morceaux des documents que je travaillais dans un logiciel, certains dans l'autre. Donc, même chose et abstract, qui est essentiellement là, le résumé des communications scientifiques des gens. Donc, vous voyez, même des diplômes ont été faits en Inkscape, n'est-ce pas? Participation, c'est le projet plus complexe sur lequel j'ai travaillé. En fait, c'est le bulletin de notre organisme. Donc, ça impliquait une refonte graphique. Donc, le groupe a été refait complètement. À la grande satisfaction là, de nos membres et de mon boss. Donc, participation, c'est intéressant parce que ça implique... Le montage est fait en Scribus. Par contre, il y a beaucoup de GIMP, il y a beaucoup de Inkscape. De documents qui sont faits en GIMP par Inkscape qui sont intégrés à l'intérieur des documents Scribus. Donc, quelques autres, là, pour terminer, là, c'était
système qui avait été produit dans le cadre d'un symposium qu'on a organisé. Donc, on fait non seulement la fiche du client, un fond de scène pour l'événement, etc. Donc, suite à tout ça, ben, quelques réflexions. En fait, si on revient sur mes inquiétudes de départ, en fait, les exemples, finalement, j'ai fait ça. J'espère avoir réussi à en créer quelques-uns qui inspireront d'autres gens qui sont dans un milieu qui n'est pas nécessairement logiciel libre à décider à se lancer. Donc, sur la maturité des outils, moi, ce que j'ai trouvé en libre, c'est des outils très stables, très complets. Il ne m'a pas manqué de fonctionnalités par rapport à ce que j'utilisais avant en solution propriétaire. Les relations avec les fournisseurs, ça a été une non-question. C'est-à-dire que je n'ai jamais dit à aucun fournisseur avec quels outils je fonctionnais. Souvent, la question, c'est « Fonctionnez-vous en Mac ou en Windows? » Je répondais, en fait, ce que je voulais selon mon humeur. De toute façon, ça ne faisait pas de différence. Les PDF qu'ils recevaient, ils les traitaient sans problème. Donc, c'était une de mes craintes parce que dans un rush, je ne voulais pas avoir à expliquer avec quels outils je travaille tout ça, mais finalement, je n'ai jamais eu à le faire. Je n'ai jamais eu à le faire avec mes collègues non plus. J'ai fait mon coming out, là, si vous voulez, plus il y a deux semaines, quand je savais que j'allais venir ici et que je préparais à ma présentation. Donc, j'ai expliqué un petit peu à mes collègues, c'était quoi le géant, puis le libre et tout ça. Puis là, ils ont réalisé que je ne fonctionnais pas avec la suite d'outils Adobe et tout ça. Courbe d'apprentissage, ben en fait, moi, j'ai trouvé les Gimp, Scribus, Inkscape un petit peu plus simples d'utilisation que leurs équivalents propriétaires, ce que j'ai beaucoup apprécié. Donc, comme je disais, les fournisseurs, la relation s'est faite de manière transparente. D'ailleurs, il n'y a aucun changement de fournisseur en fonction des outils que j'utilisais. Je donne quelques exemples de fournisseurs avec qui on fait affaire pour l'impression. Donc, vous connaissez peut-être Imparito, qui est un imprimeur commercial relativement important de Victoriaville. Donc, Participation est imprimée par Imparito. Dossier qui a repris le nom de Bureau en on a envoyé beaucoup de travail, une pire production, Marion Multimédia, Le Devoir et autres médias, on a envoyé des publicités aussi, toujours produites en Scribus ou en Inkscape. Donc, habituellement, je les achemine en PDF. Donc, tout ce monde-là a accepté les travaux et puis il n'y a pas eu de problème technique. Il y a également des trucs qui ont été produits à l'étranger, notamment le matériel pour le congrès du Japon, parti dans le programme. Certains trucs comme les lanières, les items promotionnels qui ont été donnés en sous-traitance par un fournisseur québécois avec qui on fait affaire, donc qui ont été imprimés en Asie. Donc, dans mes réflexions, les coûts sont moins élevés, j'en ai parlé au départ, on a sauvé le coût complet des logiciels et puis un montant assez significatif en équipement parce que, en fait, je fonctionne avec un ordinateur qui est relativement peu puissant et qui a pu faire tout le travail, même les gros projets comme notre magazine. Donc, finalement, les coûts ne sont pas en relation avec la qualité des logiciels. Des fois, on entend pourquoi tu t'achètes pas un vrai logiciel, pourquoi tu n'utilises pas Illustrator au lieu d'utiliser du libre. En fait, Illustrator, de mon point de vue, n'est pas meilleur que la solution libre. Un truc qui est différent à propos du libre, vous savez déjà probablement, c'est la façon de donner du support. Moi, je ne me suis pas rendu plus loin que Google, c'est-à-dire que la plupart du temps, quand j'avais un problème, j'ai toujours trouvé la solution sur Google par quelqu'un qui était passé par là avant moi. Par contre, c'est clair que pour chacun des outils graphiques en libre, il y a des wikis, des forums, des mailing lists qui sont vivants et sur lesquels, si vous écrivez, vous allez avoir une réponse à vos questions. Accès aux développeurs des logiciels est quelque chose de possible aussi, ce qui est moins évident avec les solutions propriétaires. Il y a quand même une base d'usagers importante déjà dans le libre, ce que j'ai réalisé en cours d'année. Une chose qui est importante au départ, puis que j'acceptais, c'est que les outils libres en Linux, les outils libres en Linux ou sur d'autres plateformes, ce ne sont pas des clones, hein, ce sont des alternatives. C'est-à-dire que c'est pas Inkscape, ce n'est pas une copie d'Illustrator. Les fonctionnalités peuvent être différentes. Quand on va accomplir une tâche, le workflow peut être un petit peu différent, mais si on accepte ça au départ, on va réaliser la même chose qu'avec les outils propriétaires. On va arriver au même résultat. Donc, ressources requises moins élevées, simplicité d'utilisation, c'est d'autres trucs qui m'ont frappé. Ressources requises moins élevées, dans mon cas, il y a peut-être un lien à faire avec Linux aussi, pas seulement avec les outils graphiques. Évidemment, j'ai rencontré des petites choses fatigantes. Là. Je vous donne quelques exemples en vrac. C'est jamais rien de fondamental, mais c'est des petites choses qui pourraient être améliorées. Puis on voit que les outils sont en évolution par les conférences de la fin de semaine, donc de toute façon, ça s'en va dans cette direction-là.
Par exemple, ouvrir un logo EPS avec Inkscape, quand vous publiez quelque chose, les gens vous envoient des logos en EPS nécessairement la plupart du temps, c'est pas toujours évident. C'est la raison numéro un pour laquelle des fois j'ai booté en Windows. Ouvrir mon Illustrator, ouvrir le EPS, enregistrer en SVG, puis continuer mon travail en Linux. Gestion du texte, ligne de coupe, fond perdu dans Scribus, en fait, on peut considérer que c'est réglé. Après ce qu'on a entendu hier au sujet de l'état d'avancement de Scribus. D'ailleurs, ce matin, j'ai vu que sur une version récente que ça fonctionne à mieux. Des petites choses comme, par exemple, dans l'illustrateur, vous avez un petit utilitaire qui vous permet de pitonner des chiffres puis de générer une tarte ou un graphique à barre qui peut être édité en vectoriel, ce qui est intéressant. C'est une petite fonctionnalité d'illustrateur qui m'a manqué. Un manipulateur avancé pour fichiers PDF, peut-être que ça existe, je ne suis pas encore tombé dessus, qui permettrait par exemple de convertir un fichier PDF en noir et blanc ou de cropper les pages d'un document, par exemple, si j'envoie participation à l'imprimeur avec les marques de coupe et tout ça, si je veux le mettre sur le web, un outil qui me permettrait de faire ça en une opération un petit peu comme la version complète d'Adobe Acrobat en Windows, ce serait intéressant. Donc, en conclusion, ben, dans mon cas, le livre en graphisme, ça a été un succès. C'est-à-dire que la boîte à outils est vraiment complète. Les outils sont performants, sont gratuits, puis en plus, ils répondent à la philosophie du logiciel libre. Je vous dirais que de la même façon que quand on veut essayer un logiciel, on veut voir des screenshots. Je pense que ce qui manque pour élargir la base d'usagers encore davantage, c'est une visibilité accrue à ceux qui font des travaux avec ces outils-là. Si j'avais eu ça au départ, c'est ce qui m'aurait donné davantage confiance à procéder avec les utilisateurs. Donc, je remercie évidemment les gens qui développent tous ces outils-là et qui ne vont pas épargner des soirées de travail à certains moments dans des rushs, mais c'est les mêmes nuits, soirées de travail que j'aurais eues avec les logiciels propriétaires. Les outils n'étant pas la cause, mais plutôt les retards. Parfois, des Japonais envoyaient des trucs et tout ça, bref. Le graphiste normal que vous connaissez sûrement. Donc voilà, cette présentation-là, je vais en mettre une version sur mon blog, donc pour ceux qui sont intéressés là, à faire de l'évangélisation ou à montrer à leurs collègues ce qui pourrait être possible de faire. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions sur différents éléments de. Oui. Sur la livraison des travaux, en fait, les factures qu'on a eues, tout ça, je pense que ça n'aurait fait aucune différence. Par contre, en fait, ça rejoint la question de parler de Linux à quelqu'un qui ne connaît pas l'informatique. Là. C'est-à-dire qu'il faut expliquer c'est quoi le logiciel libre, après ça, on explique c'est quoi Linux. Puis dans mon cas, après ça, j'avais expliqué c'est quoi les outils graphiques. Donc, la plupart du temps, j'ai le goût de le faire, mais je n'ai pas toujours le goût de le faire. Donc, surtout dans un cadre de travail, l'objectif, c'est plus de livrer des projets graphiques. Des fois, on n'a pas le goût, pas le temps de commencer à expliquer à un fournisseur de A à Z comment ça fonctionne. Donc, sur les résultats, je pense que ça n'a pas fait de différence. Maintenant, je le dis, avec quels outils je travaille et tout ça plus clairement, dans la mesure où ils sont habitués avec moi, ils voient bien que ça marche et tout ça. C'est clair que ces outils-là, je pense pas, en tout cas, du moins, par les fournisseurs, ne sont pas connus. Donc, ça va venir avec le temps, puis notamment grâce à moi, mais au moment où je les ai pris il y a un an, ce n'était pas des solutions là, qui connaissaient. Par contre, dans leur façon de traiter les travaux que j'envoie, ça ne fait aucune différence pour eux, clairement. Les travaux que tu as envoyés à quel format, c'est ça, la PDF? PDF, la plupart du temps, ou dans le format dans lequel le fournisseur travaille. Je vous donne un exemple. Là, quand j'ai fait faire des fonds de scène, le fournisseur en particulier voulait quelque chose de bitmap, là, je me souviens plus, c'était du TIFF ou du JPEG. Donc, dans ce cas-là, je lui ai envoyé dans le format qu'il voulait. Mais la norme, là, la manière dont je travaille habituellement, c'est un PDF de bonne qualité. C'est ce qui est le plus simple. Tout est dedans, j'ai un fichier envoyé. Ça fonctionne bien. Il faut dire que Scribus crée des fichiers Adobe Acrobat de très grande qualité, donc j'ai jamais eu de problème avec cette façon-là de procéder. Ce qui est
Oui, tu as pas parlé de PDF-TK, PDF-JAM, est-ce que tu les utilises? Non. Non. Parce que ça permet de faire deux, trois choses sur les PDF, pas ce que tu dis, c'est pas si mieux que Acrobat, mais ça permet, moi je m'en sers pas mal et c'est utile. Et si tu es sous KDE, tu peux avoir un petit raccourci dans ton menu pour avoir les fonctions, sinon c'est un ligne de commande, mais tu peux avoir un truc KDE. Donc ça peut servir notamment pour fusionner, sortir des pages, les retourner, en mettre plusieurs pour une seule page. Et puis il y a aussi un truc que tu connais sans doute pour alléger le poids d'un PDF, parce que les PDF de Scribus sont en effet très lourds. Pour les mettre sur le web, ça c'est sur le wiki Scribus, moi je pense que ça c'est un chien. Comment tu gères le Scribus la gère, c'est-à-dire que quand vous créez un fichier PDF à partir de Scribus, il y a des profils de couleurs qui peuvent être gérés. Donc en fait, peu importe ce que vous insérez dans Scribus, là, que ce soit des images RGB, tout ça, dans le PDF, il y a une gestion des couleurs qui peut se faire. Donc, ce qui fait que ce que vous allez envoyer à l'imprimeur est selon les normes, oui, tout à fait. Il y a un outil qui s'appelle PDF Edit. Ok, c'est noté. Ça m'intéresse. Juste dire, je suis un membre de l'équipe de Scribus et juste noter qu'il y a une membre de notre équipe qui a démarré de faire un logiciel pour éditer les PDF sur sa PowerPoint. Mm-hmm. Le sujet de éditer le PDF, ça c'est un sujet très complexe parce que les systèmes de fichiers sont pas linéaires. J'ai expliqué tout, il y a une explication en anglais, désolé, mais ça c'est sur le site de notre blog de Scribus France, scribus.net. Ok. Question, commentaire? Bon, on finit flush. Merci.